Hey YouTube, c'est chez Loser, on continue The Last Fails. Précédente vidéo, on avait fait un petit tour, on va dire, sur les petites choses que j'avais manqué. Enfin, surtout, je pouvais pas accéder, puisque maintenant, on a le double saut. Et surtout, dans l'église de Katerina, on avait récupéré une clé. Et donc, du coup, j'ai envie d'aller explorer un petit peu donc le tout début du jeu, hein, l'alcôve de la chapelle. Puisqu'on avait chopé la clé du joaillier. Ok, on est ici. Eh ben, allez, on est parti. On devrait pouvoir ouvrir toutes les grilles. Alors, je sais pas s'il va y avoir vraiment des choses intéressantes, mais... on peut déjà aller jeter un petit coup d'œil. Quoi ? T'es sérieux ? Ouvre toutes les portes du temple des dieux destitués. Non mais d'accord, mais ça à mon avis c'est un autre endroit. C'est... ouais... on a le mécanisme. Voilà. Je pense que ça doit paraître par ici. Alors, je sais pas s'il y a vraiment des trucs super intéressants, hein. Mais on sait jamais. Oula. C'est un nouveau mob, ça. D'accord. Style de fusil à pompe. Ouais, ils sont un petit peu mous du genou, ces mobs-là. Alors, voyons. Je pense que de ce côté, ça doit être le raccourci, là. Je vais... ah ! Par contre, ça m'a l'air beaucoup moins mou du genou. Ok. Alors, j'ai acheté à Dorothea, je lui ai donné un foie. Et du coup, faut que j'essaye une magie. Je vais la mettre tout de suite. Ça pourrait être pas mal. Non, mais mets-moi la glace, voilà. Alors on va l'essayer. Ah oui. Ça, à mon avis, c'est pas mal du tout. Si t'as un bon petit pack de mobs. Voilà, donc là, on a ouvert cette partie. Très bien. Donc là, ok. Bon, je vais continuer cette zone. D'accord. Là, il y aura un boss, je serais pas étonné. Je serais pas étonné qu'il y ait un boss, donc que je vais faire. Je vais le garder pour après. Je vais essayer de bien
chauffer tout pour après partir vers le boss. Bon. Hop, ah non, c'était pas ça que je voulais faire. Attends. Je vais partir de ce côté. Ah ouais, d'accord. Mais là, je pense que... Ouais, donc il n'y a rien de... Il n'y a rien de plus. Ok, bon. Bon, alors il n'y a que les quelques petites cellules en contrebas. Il doit y avoir un petit passage secret quand même, non? Ouais, il n'y a pas moult choses. Ok, un morné. Donc là, c'est là où globalement le jeu a commencé. J'ai l'impression que là il y a un boss, tu passes par là, tu fais ça. Bizarre ça. Non, bon bah là c'est fermé. Donc, je dis un boss, c'est pas sûr, hein. Mais ouais, je vois bien un boss dans cet endroit-là. Style de boss optionnel, voilà, t'es pas obligé de le faire. Parce que moi, pour moi, la suite, ça serait plus dans les quartiers de la ville principale. Combien il donne cela? 3008, ouais. Ouais, normal qu'il soit balèze. Alors, est-ce que on va avoir affaire à un boss? Oh mince, j'en ai pris deux là. Gaspillage. Ah, franchement,
J'aurais vraiment cru un boss, mais... Ah ouais, d'accord. En plus, il crame. La brûlure va durer longtemps. Ok, bon bah d'accord. C'est là où tu vois vraiment que tu connais pas le jeu. Parce que je prends des soins alors qu'il y avait l'hôtel ici. Bon. D'accord. Franchement, j'ai toujours l'impression qu'il va y avoir un boss. Non, je vais partir vers le bas. À mon avis, ça va être pour débloquer un raccourci, ça. Je vais vous libérer de vos cellules. Oh non. Hop, voilà. C'est tout ça. Viens me faire avec le feu, toi. C'est tout? Alors. Pas ce que j'ai pris là. Ok. Ils nous ont mis deux gros balourds. Putain, dis donc, enfoiré. Putain, et à chaque fois... Dégage. Ah putain, il le tire de l'autre côté. Ouais, c'est quand même du 3008, hein. C'est vrai que je vais quand même lui péter la gueule, hein.
Ouais. Ok, le coffre. Armoirie. On avait chopé un truc comme ça, mais je sais pas si c'est la même armoirie, j'ai pas lu. Donc là, à mon avis, on va peut-être pouvoir accéder à ces deux endroits. Ah non, il n'y a rien, j'aurais cru. Attends, parce qu'il n'y a pas un autre endroit. Ce serait plus pour remonter ici, là. J'ai cru qu'il y avait un autre truc. Attends, attends, je préfère aller vérifier. Non, non, il y a... Ah non, ici, il n'y a rien. Tu mets pas le... Pourquoi je peux pas faire le double saut? Bon, bon alors là... Attends... Peut-être un laps de temps... Eh ben vas-y, fais-moi le double saut! Bah putain, alors là, ça c'est phénoménal ça. Ouais, merci quand même. D'accord. Et l'autre? Ouais, donc ça c'était le tout début hein, du jeu. Très bien. Et l'autre ça va m'amener tout simplement au... à l'autre porte verrouillée. J'ai bien l'impression. Ouais, il y a quand même un objet. Et la boucle est bouclée. Bon, donc, je vais aller me régénérer. Ouais, bon là, les petits picous, là. Je vais me régénérer ici. Aller utiliser mes âmes, hein. Franchement, ça serait bête de perdre 44 000, parce que pour moi, il y a un boss. Mais c'est un boss vraiment, je pense, optionnel, hein. T'es vraiment pas obligé de le faire. Quoi, mince, attends. C'est pas là que je veux me TP. Ah putain. Ça va être le dernier, tu vas voir. Ou l'avant-dernier. Là. Chambre intérieure du temple. Alors. Est-ce qu'il y aura un boss là ? Ah oui, quand même. Il n'y a pas un boss, mais... Mais il y a deux Golgoths.
Alors le souci, c'est que vu que t'as les deux... Ok. Ah ouais, ça c'est... ça je m'attendais pas à ça. Ok, il y en a un qui est dead. D'accord. Il y en a plusieurs. Oh, joli. D'accord, donc je pense qu'il y aura peut-être pas de boss. La charme de comète noire. On va regarder ce que c'est. Guérison grâce à la parade. Ouais. Et stigmate de sursis. Plus 20% de dégâts de parade. Ouais, bon alors ça c'est quelque chose que je n'utiliserai jamais. La parade. En tout cas, pas dans le jeu et dans très peu de jeux. Malheureusement, hein, je sais, c'est très fort, mais bon, ça m'emmerde de jouer avec là. Parce qu'il faut vraiment connaître tous les patterns des mobs et tout. Et franchement, j'ai la flemme. J'ai la flemmouse. Bon, je m'attendais à un boss, moi. Ok, pas grave. Pas grave, en tout cas, on aura fait tout ça. Du coup, alors, je commence à retrouver mon chemin. Voilà, je pense que c'est ici, quartier supérieur. On va voir si déjà, parce que moi je dis ça depuis le début, mais j'en suis vraiment pas persuadé du tout. Alors, est-ce que là, la clé... Non. Vas-y. Oh putain. Donc, j'avais débloqué une échelle. Parce que j'avais débloqué la porte ici. Mais c'était ici que j'étais bloqué. Là, il y a une porte également. Bon, de toute façon... Voilà, déjà, on va pouvoir... débarrasser de ça. Là, est-ce que ça le touche? Non, ça lui fait rien. Ah si, quand même. Ah, j'aurais pas cru. Bon. Ok. Ça, c'est pas oufissime, hein. Ouais. Là, ce que je viens de faire... Ça pue du zboulbe. Regarde.
vais te réchauffer immédiatement. Ouais, t'as pas trop chauffé. Hein. Par contre, là-haut... Voilà, je vais passer plutôt par ici, là. Non, elles sont résistantes ces petites chiasses. Ouais, merci. On va s'occuper de ces petits pervers. Voilà, prends déjà un 700 en pleine bouche. Alors, j'ai un petit message. Donc, je vais regarder quand même ça. J'attends un petit message. Non. C'est une petite notification. Ok, bon. J'ai pas regardé là. Si. C'était bloqué. Et là aussi. Donc, de toute façon, j'ai pas beaucoup de possibilités sauf ici. Viens toi, ouais. Qu'est-ce que t'étais en train de faire? Tu te grattais le cul ou quoi? Oh putain, il va m'emmerder lui. Bon, c'est quoi? Va faire ton petit tour là-bas, hein. Je vais revenir. D'accord. La porte là où il y avait les gargouilles. Oh l'enfoiré. Allez, viens. Viens là, je vais te tuer, toi. 1600. C'est pas mal. Donc, alors, voyons. On arrive ici. Très bien. Donc ça, je peux l'enlever. Bon, ben on va continuer, je sais pas, vers le bas. Allez, tiens. Non, regarde, tu te chauffes avec ta petite gargouille. Eh bien, prends ma petite toupie. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est même excellent. Elle veut me faire une petite caresse, elle veut me faire un petit bisou. Ouais, tout ça pour... Putain, et sans déconner.
Il y a un truc derrière la gargouille, c'est pas possible. Il y a un passage secret là. Bien. Voilà, là vous me faites plaisir. C'est quoi ce truc? Tot, c'est pas un truc pour la grosse bestiole ça? Si. Oh mais merde, putain, j'ai mis le coup d'épée, elle esquive. Elle veut vraiment me faire des petits bicots, hein. Et il est... Ok, bon, je sais pas où elle est partie. Ah, je vais pas venir te chercher, toi. Lettre d'un habitant, ouais. Ah, stigmate catalyseur. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Appuyez sur R1 plus triangle lorsque vous êtes équipé de ce stigmate pour augmenter temporairement la vitesse de vos attaques. Son utilisation consomme du pouvoir. Mais oui, mais ça, je préfère. Ah oui, si sexy, pas de la merde. Oh non, ça c'est cool. D'accord, et je reviens ici. Ok. Très bien. Non mais c'est bien. C'est bien. Oh, j'ai... Ouais. Ce qui est un peu moins bien, c'est qu'il faut que je refasse tout le chemin. Puisque je n'ai pas trouvé. Peut-être que ici il y avait un. Il y avait un hôtel, mais bon. Je suis pas parti dans la bonne direction. Il me reste 12 trucs. Franchement. Je vais repasser par là. Vu qu'il reste quasiment plus de mobs. Tiens, regarde. Je t'avais pas oublié, toi. Tu vois? Cadeau. Ça va aller vite. Voilà. En plus, je peux récupérer ça. Merci. Ouais. Allez, tiens, crame. Ah, d'accord. On a les tourbilol. Putain, ils font chier. Voilà, je vous laisse vous amuser un peu. Attends, qu'est-ce que je te fais comme fatal là? Oh putain!
Ah, t'as des belles griffes, toi. T'as des belles griffouses. T'as un arc, toi? Hein? Non, non. Je pensais qu'elle avait un arc, mais non, non. C'était sa hache. Oh bien. Oh là là, il est calmé. Calmez-vous. Je vais vous cramer les ailes, moi. Allez, je te laisse en vie, toi. J'ai l'âme généreuse aujourd'hui. D'accord. Ouais. Attends, je suis où là? Aucune idée. En tout cas, hop, on va récupérer ça. Méfier quand même parce que j'ai quand même 51 000. Ouais, je vais aller fouiller avant la tour. Le reste. Je pense que la suite, ça doit être par là-bas. Tu penses que je leur donne plein de mornay à ces petites pourritures là? Et là, elles veulent m'exploser avec leur caddie. C'est pas de l'ingratitude, ça? Ben, moi, je pense bien que c'est de l'ingratitude. Bande de vieilles putes. Encore? Ok, tout est bloqué. Oh putain, ça marche bien hein, ce sort là. Ça marche très très bien sur certains mobs. Style Elk est statique. Allez tiens, tu vas te finir cramoisi. Attends, il y a un truc en contrebas. Je vais toujours regarder ma carte. Oui, il y a quelque chose en contrebas. Ok, si ça va. Alors l'autre avec sa poussette là. On va s'en occuper après. Si on revient par là, je regarde vite fait quand même. Alors lui j'adore parce que lui il arrive, il prend son coup d'épée, tu sais, ça le stop direct.
Je vais quand même utiliser. Hop, je vais utiliser l'ascenseur. Au moins le débloquer. Il m'emmène où? Ah, d'accord. Mais c'est vrai que je peux pas. Non, je peux pas sortir. Hein. Donc, là, je suis ici. Ça m'a ouvert cette porte. Donc, je vais finir l'exploration de ce côté, peut-être. Ce qui serait pas mal. Oui, d'accord. Là, par contre, j'aurais pu tomber dans des pics bêtement. Ok. Ouais, alors par contre, là, franchement, juste en dessous, je vois pas du tout comment. Attends, il y a une porte qui est. Ou alors, ça serait plutôt cette porte là qui a été déverrouillée. Ouais, ok. Putain, pour récupérer ça. Waouh. J'en avais trop besoin. Tu peux en acheter quasiment illimité. Franchement, quand tu chopes ça, c'est comme si tu chopais que dalle. Donc du coup, ici la suite. Oula. Alors là, par contre, j'entends du vilain, du pas beau. Du méchant. C'est quoi comme charme, moi? Dégâts électriques. Dégâts de gel, franchement, je vais pas mettre ça. Attends, si je regarde un peu. Au niveau défense, donc physique, ok, c'est bien. Froid, c'est très bien. Le sang, c'est bien aussi. Donc moi, c'est l'électricité qui est bof et le feu. Ou l'obscur. L'obscur. Ouais. Donc, feu, électricité. Donc du coup, l'électricité très bien, et le feu, il me semble que j'en ai pas. Donc, à la rigueur. Mettre les ténèbres, sachant que c'est pas trop mal. Non, je vais mettre plutôt ça. Attends, c'est bizarre parce que c'était... Oui, c'était ici là que je pouvais remonter. Donc je pense que la suite c'est là. Mais là je pense qu'il y a un boss. Donc on va se mettre ça. Peut-être un buff. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme buff. Glace, feu. Donc je vais mettre saignement, tiens. Soyons fous. Ouais, c'est parti. Oh putain, t'es en train de bouffer un mec, toi. Le sang-froid bestial. Ouais. Si, la mort, je l'ai vu. Je sais pas si je suis vraiment un humain. En tout cas, toi, mon objectif, c'est de te défoncer. Et je vais déjà essayer ça. Ah mais je peux prendre du dégât quand même avec ça. D'accord. Il fait des dégâts de sang, très bien. Calme-toi. C'est pas parce que tu parles avec ta voix d'outre-tombe que tu m'impressionnes, du con. Oh, merci. Je vais te la mettre. Oh, d'accord. Ah ouais, quand même. Oh, calme-toi. Hey, t'as fini ou... D'accord.
Oh bon 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 putain les dégâts que j'ai pris là. Ok, donc là, allez, on arrête de faire le con. Hein. Je lui mets du dégât là ou c'est en option? Attends, sans déconner, je lui mets du dégât ou c'est en option? Le nombre de coups que je lui mettais à la fin, il sentait plus rien le mec. Attends, le début de combat, je lui mets des dégâts de malade. Milieu de combat, ça commençait à baisser. Et puis après, plus rien. J'avais l'impression que je tapais avec un coton-tige. D'accord. Bon. Après, il est quand même très mobile, lui. Donc, alors, c'est par rapport aux dégâts de sang, hein, que je lui faisais vraiment beaucoup de dégâts. Bon ben, c'est quoi, on va y retourner. Ouais, c'est là. Ok. Non, non, même là, hein, les dégâts sont pas ouf, hein, ce que je lui fais là. Par contre, les dégâts que lui fait, c'est assez monstrueux, franchement. Oh putain. Voilà. Et là, j'ai l'impression que je lui fais quasiment plus de dégâts. Là. Oh là là, lui par contre, vas-y. C'est abusé les dégâts qu'il fait. Mais bon, j'ai même pas le temps de me lever. Bah ouais, mais bon... Vas-y, je peux plus bouger. Je peux plus bouger. Oh, vous êtes sérieux, les mecs. Je peux plus bouger. Voilà, allez, vas-y, c'est bon. Je peux plus bouger. J'étais coincé dans le coin, je pouvais plus bouger. Bon, ok, allez. C'est quoi? Je vais continuer, je vais le faire par la suite, mais là j'ai pas envie de combattre des boss là. Ça, sans déconner, il est complètement accessible, mais il fait trop de dégâts. C'est pété les dégâts qu'il fait là.
Putain, j'ai une barre de vie de dingos. À chaque coup qui te met, t'as l'impression que t'étais en mousse. Bon, allez, on va partir par là. Franchement, t'as une petite incompréhension sur certains trucs. C'est-à-dire que l'équilibrage, il est bof. Hors des boss, t'as l'impression d'être surhumain, d'avoir une force, mais démentielle, etc. T'arrives sur les boss, t'as une impression que t'es une chips. Voilà. C'est... Ok, bon, bah, impossible d'ouvrir de ce côté. C'est l'équilibrage à ce niveau-là qui est bof. J'aurais préféré un petit peu plus de difficultés dans le monde. Et des boss, entre guillemets, où tu mets quand même... Tu leur mets moins de coups. Parce que là, franchement, du 90... entre 80 et 90 de moyenne de coups, enfin pour certains boss, je trouve que ça fait beaucoup. C'est long. Et voilà. Mais par contre, plus de dégâts... Je vais mettre ça. Non, c'était les ténèbres. Voilà. Ténèbres. Et 100. Tac. Non, pas ça. Ça, je vais l'enlever et ça aussi. Allez, c'est parti. On va le retenter, hein. J'aurais dû mettre plus de trucs pour la magie. Mais c'est pas grave. Attention, j'ai l'impression que... Est-ce que je peux me mettre ceci ? Et là, je vais mettre ceci. Là par contre, les dégâts que j'ai pris là, c'est violent. Surtout que si je me trompe de machin. D'accord. Quand tu restes sur lui, j'ai l'impression que... Bon, tu peux prendre du dégât, mais... Non, ben là, franchement, il était pas très compliqué. Il faisait des bons dégâts, mais j'aurais mis les charmes au bon moment. Je pense que ça serait bien passé. Encore un fois, d'accord. Donc, j'ai bien l'impression que cette Dorothea, là, ça serait pas assez... Je sais pas. Est-ce qu'elle va pas prendre la puissance de ces sbires, là, en bouffant leur foi?
Alors attends, hop, on est où là? On est ici. Donc là, ça m'avait l'air d'être bloqué. Par contre, j'ai encore cette possibilité. Combien j'ai de trucs? J'en ai 8. Est-ce que je suis loin? Oula, oula, oula. J'ai cru que... Non, j'y suis pas loin. Je vais aller récupérer la totalité de ma vie, histoire de pouvoir faire l'exploration un peu plus. Alors oui, j'étais à 70% du jeu avant de commencer cette zone. C'est vrai que je devais vous en parler de ça. Donc 70%. Voilà, c'est pour l'instant c'est pas mal. Je m'attendais un petit peu plus. Je vous avoue, je m'attendais à pas loin des 80%. Bon. Ok, bon, on est à 70%. Donc il y a peut-être encore pas mal de petites choses à faire. Et tant mieux, hein, franchement, le jeu me plaît, donc... Oh oh. What? Un boss? Lena, mais on t'a vu, toi, déjà. Ouais, mais ça, tu te répètes, là, tu l'as déjà dit, ça. Ne résiste pas, bah pourtant c'est ce que je vais essayer de faire. Hein. Ok, donc est-ce qu'elle a le même pattern ou pas? J'ai l'impression que ça va un peu plus vite. Wow, 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 ça va plus vite. Oh, je me baisse là. Je peux en mettre plusieurs. Je pense que le feu, ça va pas être l'idéal pour elle. En plus, j'ai que ça. Non, putain. Quand même ballot là, hein. Et plusieurs coups que je mets, c'est quand même un peu ballot. À mon avis, elle je sais pas pourquoi elle me réserve d'autres surprises là. En midlife là. Je pense qu'elle me réserve d'autres choses. Par contre, éventuellement, elle est assez statique. Baisse là, putain. Je fais les trucs, putain, j'ai vraiment l'impression que des fois ça réagit. Ça réagit avec la peau des boules. Hein. Ouais d'accord, non, ça va pas ça. Allez, je me prends la porte. Hein. C'est quoi ça? Oui. D'accord. Oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Eh, mais putain, mais... Eh, vous êtes sérieux ou quoi? Putain, tu peux pas bouger pendant un moment, là. Ah ouais, quand même. Baisse-toi, je me baisse. Ouais, sans déconner, les gars. Putain, sans déconner. Pff.
Franchement, je mérite pas la mort là. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Là, franchement, je trouve ça dégueulasse. Je mérite pas de crever là. La réactivité, elle est bidon. On est à plus d'une seconde de réactivité. Alors, je sais pas si c'est lié à ma manette ou si c'est lié au jeu, mais en tout cas, c'est bidon. Vraiment. Le temps que je me baisse là comme ça, c'est pas possible qu'il soit si lent. C'est pas possible. C'est ahurissant. Quand t'es en phase de combat, t'as une impression que c'est le mec, il a deux tensions. Franchement, je trouve ça vraiment, mais là par contre, ça par contre, je trouve ça vraiment injuste. Ça m'énerve. Ça, c'est des trucs qui ont tendance à me gonfler. Là. Ah. OK. Là, c'est pareil, tu prends la porte à chaque fois. Tu prends la porte à chaque fois. Vas-y. Ah, vas-y. Allez, allez. Oh putain, ça m'énerve cette maniabilité de merde là. Ça m'énerve, franchement, ça m'énerve. Quand t'es dans la zone de lave, là, de trucs violets de merde, là, tu peux plus bouger. Tu ne peux plus bouger du tout. Je sais pas, il y a des trucs, c'est chelou, quand même. Bon, allez, dernier essai. Après ça, je commence à fatiguer, là, j'en ai marre. Là, pareil, j'ai appuyé au moins 7-8 fois. 7-8. Allez, pas 7-8 fois. Je là, franchement, non, peut-être pas. J'ai appuyé au moins 3-4 fois. Là, j'ai appuyé 2 fois. Ça fonctionne pas. Ouais, bien sûr. Eh oui. Eh oui. Allez. Je me baisse. J'essaie de me barrer. Putain. J'essaie de me barrer là. Ouais, je suis pas content de certains trucs là. Ça m'énerve. Franchement, la maniabilité, elle est à chier sur certains boss là, dont celui-là. Non. Ça me déçoit là.
Parce que là, franchement, je joue qu'avec la potion, là. Et ça m'énerve. Vas-y, ferme ta gueule, j'ai même pas envie de t'écouter ton texte de merde, là. Allez, vas-y. Ferme ta gueule, là. Ça, par contre, c'est des trucs qui ont tendance à me gonfler énormément quant à le jeu qui est pas réactif. Alors, franchement, je sais pas si ça vient soit de ma manette, mais ça, c'est des trucs qui me gonflent énormément. C'est des jeux exigeants. Logiquement, la réactivité, tu dois pas avoir une seconde d'intervalle entre quand tu appuies et quand ton personnage y réagit. Ça, pour moi, c'est pas normal sur des jeux sous-like exigeants au niveau du gameplay. Pour moi, c'est intolérable, ça. Le manque de réactivité de ton perso, c'est... Pour moi, c'est impossible d'avoir des trucs comme ça. Alors, si c'est lié à mon matos, je suis d'accord. Mais bon, c'est la manette quand même Play 5 qui est branchée en USB sur le PC. Je vois pas pourquoi ça merderait. Et je trouve ça, non, ça par contre, ça m'énerve. Ça, c'est des trucs qui ont tendance à me gonfler énormément. Et qui me gâchent complètement le plaisir du jeu. Alors, toujours pareil, sur des petits mobs, voilà, vu la barre de vie et vu la puissance du perso, ça pose aucun problème. Sur les boss, c'est exigeant dans le jeu. Tous les boss du jeu sont exigeants. Donc voilà, t'en as pas un, bon, sauf peut-être le tout premier, mais sinon, tous les boss sont exigeants. Donc quand t'as pas une réactivité aux petits oignons, parce que là c'est bizarre, là la réactivité elle y est. Pourquoi elle y est là? Pourquoi elle y est pas dans les phases de combat de boss? C'est quand même chelou le truc, j'ai jamais vu ça moi. Je sais pas, voilà. Je crée pas de jeu, je suis pas... Mais voilà, en tout cas, les sensations que ça me fait, c'est ça. C'est. Là, je trouve que ça réagit. C'est trop lent. C'est trop lent. Ou alors, c'est parce que c'est avec l'analogique. Je pense pas, hein. Là, t'as une impression que ça va, là. Alors, pourquoi ça déconne au niveau des boss? Chaque boss que j'ai eu, c'était compliqué au niveau de la réactivité de mon perso. Et pas dans ces phases. Bon, bref. Allez. Je vais m'arrêter là. C'est ce qui me frustre un petit peu le plus dans ce jeu. C'est ce manque de... Voilà. Alors, les gens, ils vont dire, c'est du 2D. Ouais, c'est du 2D, mais... voilà. Ça, c'est quand même, pour moi, c'est les trucs principaux. Si t'as pas un gameplay qui est vraiment bien au niveau de la réactivité de ton perso, non. Non. Ah putain, j'ai joué à... comment ça s'appelle? Ce que je vous ai présenté au même moment que celui-ci, là. Ah, The Lord of the Fallen. Putain. Le gameplay, problème de lock et de cam. Alors la cam, j'avais dit, ok, habitué avec les sous-likes, pas de problème. Lock plus cam, ça fait un truc horrible. Là maintenant j'arrive ici, pas un problème de réactivité du personnage. Oh putain, on est quand même en 2024. Wow. Tu fais du sous-like, tu fais de la réactivité de ton perso. C'est la base. On demande pas d'autres trucs. C'est la base. Ton perso qui a un décalage d'une seconde, bah, peut-être pas une seconde, mais on est presque sur de la demi-seconde, c'est énorme. Et c'est pas normal. Moi, pour moi, c'est pas normal. Alors, toujours pareil, soit ça vient de mon matos, soit ça vient du jeu. Je sais pas. Mais en tout cas, ça me fait chier. Ça m'emmerde. Parce que le jeu, franchement, est bien. Et souvent dans la partie des boss, j'avais une réactivité qui était pas terrible. Et ça me gonfle. Parce que ça me gâche l'immersion dans le jeu. Bon, bref, allez. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais regarder vite fait ma carte. C'est dommage, hein, c'est dommage. C'est comme Lord of the Fallen, voilà, avec du gâchis sur le lock. Voilà. Alors tu vas me dire, il n'y a pas un jeu qui va être parfait. Ouais,
Je suis d'accord. Mais j'aurais préféré, à la rigueur, une réactivité au top et quelque chose de moins ailleurs. Ok. Je sais pas, un truc. Peut-être le. Je sais pas, le lore un petit peu moins bien. Ou voilà, peut-être des graphismes moins. Parce que là, les graphismes sont pas mal hein, pour un jeu 2D. Bon, voilà. Peut-être quelque chose de moins à ce niveau-là. Mais par contre, putain, pas sur le gameplay. Putain, tous les joueurs de Soulite te diront si le. C'est des jeux gameplay. Si t'as un gameplay qui est pourrave, vas-y, ton Soulite, tu le prends, tu le fous à la poubelle. Ça sert à rien. T'as pas envie d'y jouer. Les jeux exigeants, il faut que ton personnage soit réactif. Voilà. Mais ça vient peut-être de mon matos. Si vous avez eu, mettez-moi en commentaire, hein, si vous avez eu, le jeu qui tourne nickel, ben moi, c'est pas mon cas. En tout cas, pas dans les phases de combat de boss, alors que j'ai l'impression que... Alors, j'ai l'impression pourquoi ? Parce que là, c'est beaucoup moins exigeant, alors que les combats de boss sont plus exigeants. C'est sûr. Donc, il y a beaucoup plus de manipulation, de manipulation sur la manette. Donc, est-ce que ça veut dire que quand il y a trop de manipulation, soit la manette réagit mal, soit le jeu réagit mal, soit les deux réagissent mal. Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas. Je crée pas des jeux. Hein. Mais en tout cas, voilà. Ça me gonfle un peu. Parce que ça me fait des deads qui, entre guillemets, j'ai l'impression, et c'est vraiment une impression, que tu te fais enculer par le jeu. Et ça, c'est quelque chose que je déteste. Quand t'as l'impression que c'est le jeu qui te baise. Parce que y a quelque chose qui a mal été fait. Ça m'énerve. Quand tu merdes et que tu perds parce que 1, tu connais pas le pattern, parce que 2, t'étais pas en forme, parce que 3, pour X, 10 raisons, ok, tu dis, bon, bah voilà, j'apprends. Ça, c'est pareil, c'est le soulite qui veut ça, t'apprends les choses. Mais quand c'est le jeu qui merde, alors que toi, t'es concentré, etc., là, non. Là, non. C'est, voilà, c'est... Voilà, c'est tout. Bon, c'était le coup de gueule. C'était le coup de gueule du let's play. Bon, bref. Ça fera peut-être réagir certains. Ça me fera peut-être quelques commentaires. On verra. Bon, sur ce, allez, on se revoit très très vite pour la suite. Parce que bien sûr, je vais pas lâcher le jeu. Hein, même si, voilà, si ça me déçoit profondément. Plus que d'autres choses. Mais bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, maintenant, vu l'avancée du jeu, je vais bien sûr le terminer. Et comme je vous ai dit, je prends quand même du plaisir dessus. Donc ça serait dommage, mais bon, de toute façon, je pense que là, jusqu'à la fin, à la partie des boss, il va y avoir des problèmes à ce niveau-là. Bon, on verra bien. Allez, sur ce, on se revoit très très vite, et je vous dis ciao ciao à tous.